Rahmani Rahim. Wananyawa masiwa. Hamara yangina tsimambia ni assalamu alaikum. Tsimbushuwea ni mbwana ya hayri na sukse. Tsimbushuwea ni utumainivu na tamanjema. Hamara yangina wananyawa masiwa lobo moja le razini. Na wawo mtuwarki wa moja wakati zangina mlionrani na mwenze hususwani wanyi mlionrani. Mana rsijwa mba rahama wakati mashuhur hama itarehe ensi atu nede ukamba rahama wakati uiromba vote vote iso sababishao rikaze lingohi rizie mvulana wa azali na ijanvilahe wa serende na inzi, wa serende na inzi. Tuto ya umambiani, wananyangu wa shukumuri. Amba, vote ini, ini muhimu rende. Vote ini, ini muhimu rende, ra vote hawengi. Kinyume, ya ulemevu azali ata autie. Kinyume, ya ureda ni azalata haute ila nyame arenge nyama ya kumuri ala wanewe kuzi. Hamara yangina atas kustendo hamazvote na mnaminu amba msiki ya mtuniki. Na rende hawengi ravote. Pia mipango yetu nifanyao, pia mabunjuyo lazima nifanye, do umambia na kumuri, na rende hawengi ravote. Tena amina mba ivote yetu itujweke salamu. Rimzi mvulana wa azali, asangami zensi, asangami ze umati, asangami ze itama, asangami ze ujitama ya wetiatu. Wakumoro kwezi, hamara yangina ata isuku, zinti ya kiariti na koneksyon ya 160 giga orange, kaisenda, ta oblige njira batama ya koneksyon ya SFR, be, rtofanya leto kiro. Hamara yangina, ntai mambieni, amba, kabasma ati mengibani. Na rendewe hawe ngera vote. Re amina mba vote itujwe mte wazali. Rejiu wa minifuwa tuwamu ebile. Kinyumi ya vavo, kabla hawe ndrelia. Kila mba teo shaka. Ukamba rendewe mwazi vote. Kila mba abunguzoz nguvu za ukamba wasidra mwe vote. Uwa mtu wa msaidia wazali. Plus rawe ngera mwe vote. Plus rishangiri ya vote yatu. Plus ya domwe za mwe azali atu kuna marja manevru. Na mgemi ke hawengi, mana wami buwanjewe ase. Donk, wananyangu, ini toka de introduction yangu chaque fois na rende mwaz eleksyon. Babolo wani tumambia ni tumfano, kabla ujoka manige suje leo, leo tika upando wakungu, tinge amaduka, wamunya wafanya hazwale, anamemba wamu ujua, wamu hona, ntani hadisnawe, mbe telefoni yao. Neka wana segmenti utu, utuchonzi konsakrezo, tumamento konsakrezo, anambe basi tongo deli. Zile mka mwenye robwa bala mbare elifore na mwazwa teli de tongo. Hili de la zimwani. Tena rende hawa enge rende hawa mfumbato. Neka rende hashida. Maurda hale azali ata hao. Neka rende hashida. Maurda hale wa wantu wa romba watu mzia azali aswense vote. Be wakati wangia. Kawashinda mzia azali be wata mwambi hadu wa yu mzia mwavote. Wabu neka rende hawa mwashida. Hale wabu azali ato ushinda. Be neka rende hawa mfumbato. Hamwazi vote. Ritene bilti ya tu. Lazima rasimushinda azali. Mana vya jini renge hatuan zito. Zawakamba yivote ya tu. Isote ya uraia. Kartu ya igisha ya gwado ya tuko msa. Na mwode wano mtawanyi maraia. Oleokamba mlaotama. Mwje mbrambe msada. Mtura mwuminge. Ata ikamba yivote ya mkomoriste. Hiu ya mwode yivote za mwanyawe hamwansi za salia. Wanayangu wa komori. Titula humbiru ya mwe hadisi be. Ya java niti na nukta ntaroleo za umambia nizo. Ya handa do umambia namba ine pa facile d'être fonctionnaire okumora en su moma. E d'ailleurs di manière générale hamu wakato wazali unu. Leo ti para témoignage nyengi. Zenye sambazile kare rungo waska rungo watu. Be témoignage zala amaswa. Warambeba nizo kaisi nyangu mtuka fonctionnaire. Komoro leo hamu yezi wazali unu wakato yi kampanye. Nukto ya vili do ukamba Ristoja mwenye seni. Amba, Dr. Salim, mwara alimu wana obojana, afanya
discours pandamana, harma communiqué, ya en français, ya duré 10 minutes, ya nyisamba, wayede a marqué une campagne, wayede a posé aux thèmes de campagne, c'est lui qui est en train de marquer le tempo. Katima ben vanamba azali, rakomlisha la ombio, ata alemewe, a elemewa, wakatiwo, rige, remaïse, i tempo, remarque tempo, yé campagne. Nukto eraru, asi, azali asta palamo i campagne. Mukavan munkia suzini, inasumbiljara munrogomba, azali, il mène une campagne hors sol, dans une bulle. Il mène une campagne. Kai ya pasana na zure déjà maïti. Basu wallahi azam wakatome zamba nous sommes en train candidat watu est en train de marquer de son empreinte il campagne avec des thèmes zilamba wa komoro sizishia. Basi sonu antwa azaleo arwafanya wa ils se sont livrés à un exercice périlleux, dangereux pour eux arwashu terrain wa tawafanya campagne si hors sol. Alors, si on a choisi un bari, caravane, tu dis qu'on a une sensibilisation. Voilà. Sauf que, si on a un bari Azali, il est bon pour mener une campagne hors sol, qui n'a rien à voir avec une réalité socio-politique, économique, culturelle, il y a ici, sociétale, il y a ici. Ils sont en train de se livrer à un jeu dangereux. Et ils vont trébucher. Ils vont trébucher. Ils vont tomber. Ils n'y arriveront pas. Si mon miroadi, si mon fumboni leo, si mon miroadi leo nzwani, si mon fumboni yangazidja leo, alors ils font une campagne sur le terrain. Le terrain, ce n'est pas eux. Le terrain, c'est nous. Waouh, d'abord, faire une campagne à ma bulle. Campagne hors sol. Et je leur dis, attention. Ne prenez pas le risque de venir sur le terrain. Je leur dis, Etouambia, il ne faut pas qu'ils prennent le risque de venir sur le terrain électoral. Ce terrain-là, ça ne leur appartient pas. Ils vont trébucher. Moussaïdiou, hier, il a trébuché. Mais Wakatouajouamba, on est en train de marquer la campagne avec des thèmes et des idées qui font sens et qui sont en train de prendre. Azalak a obligé à avoir une campagne dans une bulle, une campagne hors sol, achetée sur le terrain, mais ils sont en train de s'engager sur un terrain glissant. Mseidi Bojana, il est tombé. Mseidi Bojana, il est tombé. Parce que Mseidi à Kajavanu, à ma interview na Obedi, à Jakota a ignacé, a créé narratif. A ignacé Mbarazalo, c'est le candidat de la construction, c'est un bâtisseur. Point par point, avec des arguments techniques. Tout le monde m'a appelé aujourd'hui pour me dire c'est bien. Tu m'as dit, harmé terrain électoral. Harmé terrain électoral. Le vrai terrain électoral. Mseidi Kouchinj. Donc Mseidi Bojana, il a échoué lamentablement. D'ailleurs, c'est né ça. En bas, Djeli, j'étais Azali. Je leur ai démis de ses fonctions de directeur de campagne parce que. Donc, Bojana Tsaïssa, point par point, comment Mseidi, il a cassé le narratif de Jambo, il y a une construction à Azali. Quand le système, quand le bon Mseidi, il conduit les Comores à l'émergence, à Yessa Bazali, en gros, Mseidi, il s'est laissé entraîner à ma terre, le terrain électoral, le vrai. Point par point, Bojana, on a démonté avec des arguments, des rappels. Des analyses bien posées, mais ça me s'est dit, jamais Kouchinom défendait Azali. Au contraire, il s'est dit, il a prêté le flanc à la critique. Vraiment, Bojana, c'était, je me suis fait un régal pour faire la leçon à ce monsieur qui s'appelle Mseidi, dont tout le monde se demande, où est son maintien? Donc tout le monde dit unanimement, c'est le ministre des Affaires impossible. Donc Mseidi demeure la personne de celui qui ne peut pas faire la campagne Azali. Et campagne Azali, Ibaki, Itsobaki, campagne hors sol. Wanayangu, comment voulez-vous que Azali achète la fin de campagne sur le terrain?
campagne qui intéresse les Comoriens. Non, il a échoué. Donc, quand on est par témoignage, il venait des Comores, des fonctionnaires qui m'ont affirmé, attesté, en base de l'Orogo, c'est dur d'être fonctionnaire en ce moment aux Comores. Et qu'à ma campagne hors sol, il a Zalemeno. Cette campagne qui fait qu'il n'a, il n'ose pas aller au devant de la jeunesse. Au devant. Zila Savouzi. Azali, il ne peut pas aller devant le peuple. Dans les quartiers, dans les villages, dans les régions. Parce qu'il n'a rien à raconter. Il n'a rien à proposer. Il a dit que je suis un peu plus ma fonctionnaire Komorlu a choudou. Ma fonctionnaire Komorlu a choudou à Katzimban. Donc, ou en fait, mon pire, ou à Tiangouza bleu. Ce sont des fonctionnaires qui sont obligés à m'emparer une carte CRC de façon crue, de façon. Où est ma fonctionnaire? Ce sont des agents de l'État. Tatif, c'est qu'il y a ma fonctionnaire à Komor. Manade, directeur de service, à Joamba. Il faut à Zalamo aujourd'hui, il faut un mois meeting. Là où il y a un mois meeting. J'ai eu plein de témoignages. Des gens qui m'ont dit, vous êtes notre porte-parole. Et on vous en félicite. Et qu'il ne faut pas laisser croire aux gens. Kazali Anawanchu, Wam Souteneo. Toute la vague bleue là, la prétendue vague bleue, ce sont que des agents de l'État, des fonctionnaires sur qui on a posé l'arme, sur qui on exerce d'énormes pressions au quotidien, tous les jours. Ma fonctionnaire, ils ne sont pas libres au Comores. Ou s'oblige à Wendra Mazi, Wendra Mlek Azali, Wendra Maz campagne. Zote moi il a mis par aléo, il est mana na titre émission, il n'est pas dur d'être fonctionnaire aux Comores aujourd'hui sous Azali. Mais moi je dis aux fonctionnaires, n'acceptez pas ça, n'acceptez pas ça. Un fonctionnaire, ou a sa liberté d'opinion, d'aller ou de ne pas. N'acceptez pas ce système. N'acceptez pas ce système. Mana Rahirenga yezi, sager wane na tabiazo. Namour se dit ma fonctionnaire chkomor. Jour wane na tabiazo. Chaque fonctionnaire apparaît à kiahe zi zamblazmoani, si pour ma andraji avilisé, andafanyo esclave. Donc, wane yangwa komori, la yamba antoine loa maz meeting zazali, ce sont des agents de l'État. Je reçois, j'ai reçu. Plein de témoignages dans ce sens. Donc, Wakomor, Narkubalemba, Azali, Kasna Wakomor, en Bougar, Mouissessère. S'il n'y avait pas les fonctionnaires, les agents de l'État, Kamato, on a un meeting à Azali. Parce que quand Wassam Komorwa, Aluamba, il est normalement constitué. Aluamba, Azali, après 17 ans de pouvoir et des années passées dans l'opposition. Quand voici Comorien normalement constitué, et tous les Comoriens sont bien constitués, Amlinona Azali, Amba Azali, Amba bien Wengina, parce que 17 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Ce qu'il n'a pas réussi à faire en 17 ans de pouvoir, et en plus de 10 ans d'années passées dans l'opposition, il ne réussira pas à le faire. Azali, c'est un nul. C'est pas un développeur. Et l'exemple, Amralie, comment il a géré la santé aux Comores. Tu es mal tombé avec l'histoire d'El Marouf. Avec l'histoire d'El Marouf, que Mseidi a voulu citer un exemple, tu es mal tombé parce que cette histoire, c'est l'allégorie de l'échec. C'est le symbole. Il y a eu échec. C'est le symbole. Il y a eu ignorance crasse. Il y a eu Hukamba. C'est quelqu'un qui ne sait pas développer un pays. On est en goût. Ça m'a bien. Léo, qui confirme que ma Comorien Kawasdougaz Mitingza Azali. Et c'est normal. Après 17 ans de pouvoir, des années passées dans l'opposition, qui peut encore faire confiance à Azali? Quelqu'un qui a fait la preuve de son ignorance, de son incapacité à diriger un pays, de son amateurisme éternel. Quelle
Comorien allait encore faire confiance en cet homme. Il lui emballe l'hôpital et l'épisode malheureux de Nebtelaï Marouf résume tout. C'est la quintessence. Il y a au jinga au banaole, ouais, ignorance et incapacité au banaole. Mais c'est idée à voir l'hôpital au boulot l'année prochaine. Tu m'as même dit, et quel âge mon boulot 2019? Tu m'as même dit, Azalim Shoahé, à Kamirama, à la classe Mazola 2019 ou 2018, la Mira à Fukubumoni. On a un game Kewengi, mais ça a régné Samba. Ou entre les Rama et entre Azali, c'est des fonctionnaires, c'est pas les Comoriens, les Comoriens. C'est les fonctionnaires obligés à participer sur qui on a mis la pression. Léo, Wakomor, comment peuvent-ils faire confiance à un ignare, à quelqu'un qui a fait la preuve de son incapacité? En revanche, on laisse Azali partir sur des chapeaux de roue. On savait que ce type-là, il n'avait rien dans son ventre. Ces meetings sont en train de tourner dans le vide. Et il faut aller sur le terrain politique. Parce que c'est vrai, on mène une campagne hors sol et on est démasqué. On est démasqué par la vigilance des gens qui ne peuvent pas accepter qu'on prenne des fonctionnaires, des agents de l'État, on les déplace d'un point A à un point B, du sud au nord, du nord au sud, de l'est en, d'est en ouest, d'ouest en est, et que cette campagne, et que campagne hors sol, il démasque. Parce que Azali, il a voulu mener une campagne hors sol, donner l'impression qu'on trouve Mlungu, mais tout le monde a compris, et eux-mêmes maintenant, ils ont compris que tout le monde a compris qu'ils sont en train de mener une campagne hors sol, et personne ne va pas gober cette histoire. Bah si, Léoïne, Wakomor, Wamba Azali Mengo. Naïmana Mengo, ma raison Wamba Mengo, Hamwe campagne ka Asindunga, Yabakisha campagne, ma fonctionnaire obligé. Donc, Wamba, le docteur Salim, il est entré en campagne. Le docteur, il est en train de développer une vision, des idées. Ziyamba Zikubaliwa Zendeliana Wakati. Le docteur Salim est entré en campagne. Abaliana Fikra na idée Zielikanana Wakati. Ziyamba campagne vraie. Et Azalea Maizamba, il population. Nazifikra et les Ivi. Yanda, docteur Salim. Asa wantu waja wa ilwana wafikana larma stambuzi. A apese nsi. A vinge serenitar mwinti. Maure ale mjwao. Azali. Ce cochon, comme j'ai l'habitude de l'appeler, dans un magasin de porcelaine, il a tout foutu en l'air. Kawasi nsi, kawasi rafashansi, kawasi institution, kawasi maakama yandao, kawasi ujama wakensi. Nous sommes au bord du précipice. Tout peut arriver maintenant. Que ce soit Anza, que ce soit Hattori. Donc, ce cochon dans un magasin de porcelaine, il a tout foutu en l'air. Tout. Y compris tes liens entre le dirigeant. Ce cochon dans un magasin de porcelaine, il a tout foutu en l'air. Ata, il a lien. Il y a dirigeant Naumati, Kaivo. C'est un président hors sol, qui anime des meetings hors sol, qui passe son temps à voyager. Loin de préoccupations à Wakomor, contre la volonté à Wakomor, c'est. Il n'y a aucun lien. Donc, docteur Salim, Ngoudjo, Asija, il vient apaiser le pays, réconcilier. Il vient réconcilier le pays. Tout le monde. Ziswa na ziswa. Wakomor wa djipari. Wa djire trouvé. Parce qu'ils ont besoin de ça. Du calme. De l'apaisement. Il est joué. Il est consacré. Le cochon là. Le cochon. Dans un magasin de porcelaine. Il a amené le désordre. La chienlit. Et le Wakomor. Plus personne ne reconnaît. Plus personne. Si Zambalia, Tamay Zambalia, il n'y a plus de pays. Quand tu demandes aux gens c'est quoi, non, les gens ne se sentent même pas dans un pays. Eh bien, docteur Ajana Malalao, docteur Salim Mengomai, programme Ajana, c'est d'abord d'apaiser le pays.
réconcilier les Comoriens. C'est une condition sine qua non. Zankilis kensir chulie, kewa moja, joué sanganyez ngouvo, joué wane na stamo nambal nambal zensi. Le cochon là, dans un magasin de porcelaine, il a mis le désordre partout. Ou sikini, ou naï, ou mavouneno. Le cochon. Le docteur Salim, il vient réconcilier les Comoriens. C'est une condition sine qua non. Réconcilier les Comoriens. Ou wadzimar kewa moja artifanya. Rijouer tsanganyer, jel tsanganyer, wane mbwana ya kousoudi. Les mbwana ya aussi contre Sikini, contre Naï, contre Mavuneno, contre Zo. C'est une condition sine qua non. La vraie réconciliation. Betsi amani amtu en chambre pendant 19 ans, qui ne fait que mettre le désordre. Basi docteur Salim, ajana malala, mego mwa malala, réconcilier les Comoriens, apaiser le pays. Condition sine qua non pour pouvoir penser au développement de ce. Le docteur arrive pour réconcilier le pays, réconcilier Wakomor na Komor, les dirigeants na maba citoyens, réconcilier Komor na Nsiare, réconcilier Komor na Itama. Ça c'est fondamental. Chasser la chien lit propagé par Azali, mettre fin au désordre, faire en sorte que ma Komor va communier dans un même esprit pour et sur ce point-là, Azali ne peut pas aller chez moi, dans mon quartier, dans nos régions, dans nos villages, et dire, moi je viens vous réconcilier. Je viens me réconcilier avec vous. Azali ne peut pas dire, je viens réconcilier les Comoriens avec leur pays. Je viens réconcilier les Comoriens avec leur histoire, avec leur dignité. Avec... Il ne peut pas. Parce que les gens vont lui dire, ça fait 17 ans que tu es là. Ça fait 17 ans que tu es là. Et même plus, si on compte les années passées dans l'opposition, et quoi, Chindra, ou échoué, voilà pourquoi Azali, il a tenté d'aller se réfugier dans une campagne hors sol. Mais là, nous sommes en train de l'entraîner à une campagne, la vraie campagne, et il n'y arrivera pas. Docteur Ajana Malalao. Et il veut réparer l'injustice. Il y a eu des blessures. Ou en zoua noua voulou miloua. Na moua noua voulou miloua. Mana, wa bao visa wa ninyatua shigazidja. Wa tendoua na Azali. Wa soukouto il est awanyi sa. Ambabale sans eux, Komor ke toujours est dirigé wa. Alors que nous voulons promouvoir la méritocratie. Alors que nous voulons respecter wa moja watu. Ou wa dzima watu. Zorafikana. Pour construire un pays où les gens se reconnaissent comme frères, se regardent en frères, mais pas en chien de faïence. Docteur Salim, à mon programme, Arwamba, c'est un tort, c'est une blessure de l'histoire, c'est une blessure morale, c'est une injustice. Et Docteur Salim, Aja, Arongwa, Avinga Malalao, Itournanti, Yanzouani, Sregia, le plus tôt possible, Waye Mandayae, ici comme en Belvavo 2026 Vavo a réglé ses accords à Fomboni les 4 lois fêtées. Il est à réparer l'injustice parce que Azali a jeté à chaque harmam ka wadzima watu Azali n'a pas envie de jeté à chaque wakati kambar kare ilo nambara kojoenshi mamoja rafikamba su ananya raminiana ristehiana rinisamba wa sotu shimoja Azali a jeté à chaque manata anisamba wawangazijia wa staarabu odwa lazumano wa rumensi wawanzwani wa jinga na wamwali wa jinga waka ajirumansi atia shaka hama umka wazima watu et Dr. Salim Arwamba lui il vient réparer cette injustice cette blessure de l'histoire de la dignité des gens des Comoriens d'où qu'ils viennent aja itongezamba wami na mwati na mgazidia, wami na mwati na mwali, mwali na mwati na mgazidia, rona namba wasi wa kwa bomoja. Riregle problemuzo, pare juwe degaje disponibilite, ronsi pia yatu. Rangalizi siwa resiundre, hama esprit ya kompetisyon. Si on regle pa se problem, kashini para utulivu, rafikirizi suje muhimu za insi yatu, on sera là à nous regarder en chien de France. Eh bien, le docteur Salim,
un homme d'envergure. C'est un nouveau sur la scène politique. Mais il est d'une clairvoyance. Il est basali kashibi mbeza. Malgré 17 ans à pouvoir, Namaha komitiza on a mingami opposition. Ce jeune qui arrive là, c'est Barack Obama. Ce jeune. Rappelez-vous, Wakati, il y a Maître Mahamoudou Samba, c'est le petit poussé qui va dévorer l'ogre. Et en un rien de temps, on a fait du petit poussé le grand ogre qui allait dévorer le faux ogre Azali Atala. Eh bien, vous allez voir dans les jours qui viennent, Docteur Salim Aja, avec des idées claires, des idées pertinentes, des idées qui collent avec la réalité du terrain, préhabiliaré, réparer cette injustice, regué armam djita mayona mweloa nona okamba ronia nela darona mbaso pavomoja. C'est ça, fait partie de sa deuxième mission. Qu'est-ce qu'Azali peut aller dire aux Comoriens? Il va leur dire, ah, maintenant j'ai compris, je vais faire comme lui. Mais qui va le croire? Docteur Salim, il va renforcer l'autonomie des îles. L'autonomie pour favoriser la compétition entre les îles. Dans la fraternité, dans la solidarité, dans un esprit au Wadzima, c'est lui le docteur Salim. Le pauvre là, con, ce cochon dans un magasin qui casse tout, qu'est-ce qu'il peut aller raconter aux Comoriens? Lui qui a fait des gouverneurs, Bibi Farwa Tawantwa Sirène, qui a fait d'Anis gardien, qui a fait de Fazuil, Fazuil qui a dit je préfère être un directeur de service que d'être un gouverneur. Et aujourd'hui, là, ça me trahit Fazuil. Fazuil, moi-même, voilà. Donc, docteur Salim, il vient d'arriver, mais il voit bien. Il voit clair. Il a de la clairvoyance politique. Alors que le vieux, là, cochon dans un magasin de porcelaine, ça fait longtemps qu'il est dans la politique, que ce soit dans l'opposition ou dans l'exercice du pouvoir. Mais c'est comme s'il n'a jamais rien appris. C'est un nul de toute façon. Et si vous voulez voir un symbole de son échec, l'hôpital El Marouf, une chine, cache Pefania, ou la cache Levinga, en Gambidze, Santé à Komor. Ça roule l'hôpital Bablamtsang. Ça roule dispenser à Komor. Ça roule l'hôpital Yaroubo en Gambidze. C'était nul. Hein? Ou approuver, Bouyan Wambatizangou, un crocodile restera toujours un crocodile dans l'eau. Les Banaoule. Les Jinchou. Mais lui n'apprend pas. C'est Toto. Wata nyona memba. Wampla nambia. Betisumbwa. Mana kasna wassel. Amba kanamanzano yaka hoha Michael de Guerre hoho. Alors wamba, le type là, il ne pige rien. Et c'est vrai, c'est pas un développeur. Il ne connaît rien. Vanu. Justa rap de jashwa mbovu. Mais lui, il n'entend même pas. Il va à Moutsamoudou, à ma réunion, à Mblaba, à Oula, à Moutungazidja, à Oula, à Faisal, à Oula, à Tizambana, à Tuarar, trois Comoriens qui tombent d'un seul coup. À mon petit pays, Faransan Sibole, Mdoumouja, toi, il faut un jour, Didima Pia, il y a un émoi national. Le gars, il continue à danser. C'est un ignare. Il veut faire quoi à la tête de notre beau pays? Notre beau pays mérite un homme comme docteur Salim, qui a de la clairvoyance, du patriotisme. Ce n'est pas cet ignare. Docteur Salim Awasui. Docteur Salim Arwambawaye Anahamunensi. Ajouza Misharayahe. Aboudzene Misafare Anchambo. Ya Azali. Ari président de l'Union africaine. Mais il est devenu la risée de tout le monde. Qui dans le monde savait qu'on avait un Godio? Hein? Abassane Ouattara, le président de l'Union africaine. Tout le monde sait qu'au Comore, Rena Gili. Wakati de Bayakamba. Ah, Zali Kazmane, on s'est dit que l'Union africaine. Pour ce parrain, on s'est dit.
C'est ce qui se passe. Dans les réseaux sociaux, le président Zaleri a une Union africaine. Il y a une Union africaine qui vient de Comores. Maurice, vous avez un star arabe, un développement, un tongo. Vous savez que Maurice, ils exportent, expertisent à Mansing en Afrique. Maurice, vous avez un star arabe, vous avez un face. Vous avez un affilié à diriger l'Union africaine. Ils n'ont jamais considéré que diriger l'Union africaine, c'est quelque chose d'important et c'est une fierté. À Maurice, ils s'occupent de leur pays, de leur population. Des problèmes de leur population. Huawei Jimbi, Lazali, alors c'est le président de l'Union africaine, comme on dit par le Chéo, Chéo Nchini. Chéo Chéo Jéjou dans ma Mauricie quand on rachète ça. Chéo Chéo Jéjou dans ma Séchéloa quand on rachète ça. Et pourtant, oh, Séchéloa méritait plus que nous, les Comoriens. Parce que eux, ils sont clairvoyants. Ils sont équilibrés. Mais maintenant, on comprend pourquoi Zali voulait être président de l'Union africaine. C'est pour avancer les élections et dire que lui, il ne peut pas prendre congé. Il y a un congé. Ahia na ushuka na mshahara ya suru nguta. Kinyume ya Azali, amba wawangeze mishahara na misafara, misafara amba yo, c'est une nouvelle façon ya détourner l'argent du public. Mana, Azali nekata wabe mwamarke, c'est un égoïste, wa uchihama misafara ya hele. Zo, Dr. Ahara. Dr. Ahara. Docteur Salim Awasul. Si je suis pire, je suis docteur à Josphine. Mais docteur a un engagement patriotique. Il y a un jour des insiaires, il y a un jour des stars. Si je suis un jour, je suis un jour, je suis un jour, je suis un jour, docteur Amini, c'est un pays sous-développé. C'est pas un pays riche, comme la CRC a l'habitude de le penser. Et docteur a un engagement, par des institutions solides. Mahakama est une guerre. Et que Mahakama, il est Rimé comme le Mahati, le Karamiche Fenda, Zawenze, que ce soit dans le cadre bilatéral ou multilatéral, mais surtout que ce soit dans le cadre des fonds, des capitaux privés. Maintenant, quand on parle de capitaux privés, car Chine avait nous, ou Taïjiru, ou Komori, ou valorisé, ou a créé emploi, ou a créé dynamisme économique. Watongezan ba levier fiscal marché. Docteur Awasui. Ajaba sabe, aja mwema. Azali habani mahana mahabe atsahaya. Il finit con. Kanabu wejo. Donc, on a yangu. Bojana. Si m'kiam se yde ba na kota ya yense. Amba. Mane komorka a développé. Mane zala tsangye mafoufou thalati namararu. Harma Fiasco Comorien, puisque lui dirige ce pays-là depuis 17 ans, sur une période post-coloniale de 48 ans. Donc Azali, il est comptable, mathématiquement, politiquement, économiquement, de ce fiasco, et même moralement, à hauteur de 33%. M'saïdia, à Ajakota, Djerba, mon terrain, Arayelizar, Mana Komorka a développé, Mana, Wafalmo, a changé, ou instabilité. Arrêtez exemple à Maurice na Seychelles. Remembrez-moi ces dévouements, ben justement, Seychelles Maurice, l'alternance démocratique a toujours fonctionné et ces pays-là se développent. Et que ce que l'on appelle une réelle stabilité dans un pays, il y a dans le respect et dans la solidité des institutions.
les hommes passent, les institutions restent. Et que Azali n'est pas du tout indispensable et que surtout il est nul. Il doit dégager. Donc, docteur Aja, docteur Eleomba Comore, c'est un pays sous-développé. Carnaf, infrastructure économique. Il faut créer des infrastructures économiques, Armand. Sur le style Yassambi, il faut créer des infrastructures économiques, Armand. Mais comment on va les financer? Il faut des capitaux privés. Mais les capitaux privés, Zobarna GG, il faut aller les chercher. Mais avant d'aller les chercher, il faut être un État crédible. Mais qu'est-ce que ça veut dire un État crédible? Yo État yo ma l'alternance démocratique fonctionne, il s'y a apaisé, on a d'amour communier dans un même esprit, on a aussi qui n'y mais surtout, yo s'y lui en bas. Voilà, dame, on va mettre en place institution na makama ya kusudi. Itso mambi om djena ba ochoa bingi marke a wendene komor. On doit tout me ou pare na komor wa pare. Wa tout me ou pro durengo ta jiru le monde si ou redze ou ou kreye emploi wa komor wangi hazimi. Wa komor wangi hazimi wa konsome. Wa y konsome wa taxe wa. Makama ya kweyo. Hala Zalou, est-ce que tu es là sur le terrain dans tes discours? Ou Katkama, il piétine tous les jours les institutions. Il m'a Akama, hé Miwadi, hé Azali, hé ma sœur Semania. Le terrain politique là, ne vous y aventurez pas. Ne mettez pas votre pied. Restez toujours, Hama et campagne orsolienne, dans une bulle, en l'air, jusqu'au 14. Le terrain, c'est nous. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on va vous dire, Mahakama, qu'est-ce que vous avez fait pour la justice? Oui, ma mère, Mahakama, ma entrepreneur, on va voir qu'il y a dû suicider. Pourquoi ils se sont suicidés? Parce que la justice est prête à protéger. Donc, on est où? Si ma mère, Azali, il ne peut pas aller sur le terrain politique et capable. À tout zaman, à meeting, ça m'a joué, y'a quoi, bon, c'est un peu, ou un jour, ou aller, sur un aux autres, demain, tiens, un gros bleu, par exemple, soit mais. Mais c'est le même fonctionnaire. Aujourd'hui, je viens même d'avoir un contact avec mon renom, on m'a dit, mais Azali, il est en difficulté. Il n'y a pas des gens qui suivent, campagnaire. C'est les fonctionnaires qu'on oblige à accompagner Azali à masse déplacement dans la cité. Mais il n'y a rien. Parce que, les gens voulaient entendre un autre discours. Et le docteur arrive. Le docteur, il a compris que ce pays-là, c'est un pays qui a besoin d'être mis en valeur par des infrastructures économiques. Et les infrastructures économiques, ils sont financées par des capitaux. Ou 4 000 des capitaux privés. Ces conditions, les initiaires, c'est ce qu'il y a dans mon zipi. Ou j'ai rambié ma fixe, à la conférence de Paris, à la marque, à la jao. Ils ont des capitaux dans le cadre bilatéral et même privé. Qu'est-ce qu'on leur a dit récemment? La dame de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'elle a dit à Azali dans OneDrive? Déjà, Azali, ce cochon dans un magasin de porcelaine, un président ne doit pas aller à l'Assemblée nationale pour respecter les institutions. Lui, l'élève de l'exécutif. Mais ce paysan, ce cochon qui casse toutes les règles, il ne connaît rien. Mais ben là, on a dit à l'Assemblée, alors qu'on a fait une revue d'étape. Maintenant, lui, il n'aime que les images. Jean-Marc de la Pierre, politique événementielle. À côté d'Andaye Sambari, conférence de Paris, suivi, voler des images, se mettre en scène. Déjà, ouais, tant que président, il n'a pas à mettre ses pieds. Harma institution, il relève d'un autre pouvoir. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a aucune élégance, qui n'habite pas le sens de l'État, qui ne connaît rien, juste qu'il y a des idées, il y a comment on dit, tu m'as gagné, on a choisi, on a mis un nul. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de rien. Ajabana Rouao et logique. Ils sont allés chercher de l'argent, conférence de bailleurs à Moutini, revue d'État. Qu'est-ce qu'on leur a dit comme rien? Souvenez-vous. Moi, je suis allé à Zali, à Ojingawa, à Henda, qui sont allés à Rongozouanaï. En blabla, on ne donne pas l'argent comme ça. Hamas Foum, Kamacham a mobilisé même pas le 1. Combien le 1/10?
Parce que l'argent, on ne le donne pas comme ça. L'argent européen et l'argent français, c'est des procédures. C'est des normes. Comme Monsieur le Président, quelqu'un qui a dirigé le pays pendant des années, qui n'a pas compris que on lui a fait la leçon comme un petit enfant. Et il a eu même la naïveté. On a posé question à Mandouar Menenjini. En tout cas, je suis mobilisé, Zifou. Mais attends, tu diriges un pays ou tu diriges un poulailler? Quand tu diriges un pays, tu dois savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ou j'ai parlé de Miroadina, le spectacle. La question qu'il a posée là, le jour à l'Assemblée nationale, où on ne devait pas mettre son pied pour éviter la confusion des gens. Lui, il relève de l'exécutif, il n'a pas à aller se mettre. Un Ahabi, pas les Bourbons, une assemblée. Un Ahabi, Manakotsa, image, il aime l'image, les spectacles et tout ça. Un Ahabi, c'est sa question qu'à vous n'avez même pas su mobiliser. Ce que vous pouvez mobiliser, Yanis Fonzine, comment vous imaginez un président qui dirige un pays qui ne sait pas que son équipe ne travaille pas? Ça veut dire que c'est un type nul. Azali, c'est nul. C'est un ignare. Et Roger, c'est doit dire soit maintenant nous ça nous ça va on a régué. Parce que ça même on a carte ça régué, ça n'a pas c'est un ignare. Azali, là, on remonte si je vois pas. On trouve au cas soit il y a cette autre question. Mais surtout, Azali, c'est des procédures. Vous êtes un État corrompu. Zoambuloso. Zoambuloso. Et, ironie du sort, c'est après avoir infligé, après avoir tenté d'infliger un procès infamant à Sambi. C'était fin novembre, décembre. Vous êtes un État corrompu. Qui a dit que vous êtes un État corrompu? C'est pas Sambi. C'est pas nous. L'OIG nous a dit, vous êtes un État corrompu. Docteur Salim Awasui. Makama Isregia. Sharafa Insi Isregia. Institutions Isregia. On veut faire des Comores un pays qui inspire confiance. Mais pas un État clientéliste. Où l'administration est transformée en partie CRC. Léo, j'ai reçu de nombreux témoignages venant de Moëlie, de Grande Comore, d'Anjouan, Mabourani, Kazana. Ça, c'est la vérité. Voici, je serai forçois pour rendre ma bureau noté, cher. Ma directeur de service, Kawasim Komoura Mdouga Azali, à ma campagne. Kawasim Komoura Adera, ma campagne Azali. C'est les mêmes personnes. On est en Docteur Awasuli. Docteur Awasuli n'a pas de malala. De malala, si vous ne pouvez pas aller haut, c'est mal nous, c'est malala. C'est mal nous, c'est malala. Et notre travail, à partir de maintenant, c'est de vous dire, Docteur Awasuli, je vais cultiver le suspense. Docteur Issa Salim Awasuil. Navabo, grand Serambari, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Mais Azali, il a quelle expérience? Après 17 ans de pouvoir et plus d'une dizaine d'années passées dans l'opposition, quelle expérience? Quels sont les fruits de son expérience? En quoi son expérience a été utile à notre pays qui est dans le fond des abîmes? Si je m'en vais là-bas, les Gonko, on y joue maintenant Gonko. On y voit comment on y joue maintenant Gonko. Si je reste déjà, on y comme Nambro. Dès que nous allons sur Kanamiro, ben, on va chercher ma tuer comme on va au machin à Madaba, il y aura Gonko. Le Gonko, ça veut dire Kanaongo. Donc, les Gonko, les sont obligés. Des gens sans foi ni loi.
Il est vertueux. Quand tout le monde sait que lui, il n'a pas de vertu. L'igonkoli, il est attaqué culture et personnalité. La Sinsaïmambil Gonko, regarde-moi, c'est moi, Ahmed Bourhan. C'est nous qui avons fabriqué M. Mahmoud en si peu de temps, leader, à menacer, à conjurer les chiriotes, à bien voter. Et nous, on est là, et dans les jours à venir, c'est pour ça que je ne dévoile pas tout. Mais le docteur, doublement docteur, est arrivé. Docteur Salim. Lui, il est jeune, il est arrivé, il ne connaît pas. Mais non! Il y a des gens qui apprennent vite. La nature est ainsi faite. Il y a des gens qui vont rester gonko. Azali, il est resté gonko. Qui peut dire que j'exagère, que je mens? Mjumbali Dounia Mamoun Arumansi pendant 17 ans sans partage, comme Azali, qui est resté gonko comme Azali. Attendez, moi, tu es où, l'Assemblée nationale, il y a Elia qui ne sait même pas que lui, en tant que représentant de l'exécutif, il n'a pas à mettre ses pieds là-bas. Harma institution, le meilleur pouvoir en Guinée. Andadjile Yabana, le côté bleu, là, et alors, c'est un revue d'État pour les accords de Paris, dans le Dini. Anablabo, vous n'avez rien consommé. Anna, si c'est la question, ben, parce que vous êtes nul. C'est quoi ce président qui ne sait pas que ses troupes sont nulles? C'est quoi ce chef qui ne sait pas que ses troupes sont nulles? C'est que lui-même, il est nul. Mais le comble des combles, c'est des procédures. Vous êtes des corrompus. Et ironie du sort, à quelques semaines auparavant, il a voulu infliger un procès infamant à Sambi. Il a passé 10 ans, 20 ans à vouloir salir Sambi. Et il a voulu lui intenter un procès infamant. Quelques semaines après, c'est des spécialistes, des experts qui sont venus lui faire la morale en disant, vous êtes des corrompus. Lui, il ne sait pas exploiter ses erreurs. C'est un paysan. C'est un ignare. Yanni, Azali, Oriokamba, Asomama, tiens, il y a un problème là. J'ai voulu intenter un procès infamant à Sambi. Deux semaines après, on est venu me dire. Et ce n'est pas n'importe qui est venu me le dire. C'est des spécialistes. Wajanambia. Amba Omidzi. Wawa incompétent. Tu diriges l'équipe d'incompétents. Ce sont eux qui ont mené le label. Amba Wawa m'a corrompu. Ikras Mawanambe le Miduza Mwezungo. Devokamba Chintu Gonko. Jintu. Kalina ou tiré leçon. Zaz erreur zaz. C'est pour ça qu'il a 17 ans de pouvoir et il reste toujours Gonko. Comment est-ce que c'est Gonko? Là où est-ce que c'est Gonko? Où est-ce que c'est Manaya Ezi, yo chombo yo fanya haz. Où est-ce que c'est Manaya Ezi, yo chombo yo ulima. Yo chombo yo ulimilianzi. Yo chombo yo fanya hazi. Yo rumisha maraya. Les manas pouvoirs, ce n'est pas pour l'ornement. Ce n'est pas pour la jouissance. Ce n'est pas pour le consumérisme. Le pouvoir, il appartient au peuple. C'est une arme. Il y a un tambouzaïo. Ou il y a un pouvoir, il confisque pendant des années. Il ne sait que c'est le Michel. Il ne sait en friche. Il ne sait à toi, Michel. Léo, un docteur est arrivé. Ça, Zalir Souambia. Dans les jours qui viennent, vous allez voir. Docteur Salim, il va se révéler. Un grand politicien. Il a posé Zi Temze Bojana. C'est lui qui impose désormais le tempo. Et Wokushi lui suivi. Wawa Zali Ngutapalo. Ngutapalo, Mselo Aleo Tsuono,
on a l'envoi va à nous. Il mène une campagne au sol. Il critique. Il va critiquer Chitsoan. Parce que c'est des vaudios. C'est des ignorants. Ils ne savent pas que nous, voici, on met des mots justes sur les choses. On analyse les choses. Et on a découvert qu'Azali, il met une campagne hors sol. On a découvert qu'Azali se réfugie dans une campagne hors sol pour vouloir tromper la vigilance et la population pour préparer un coup dur. Sauf qu'on l'a démasqué. N'est qu'en 2019, à Joramba, on n'a pas voté dans un premier temps, on a fait un grand meeting. Eh bien, cette formule-là, elle ne va plus opérer cette fois-ci. Parce qu'on l'a démasqué. Après, je change à moi, mon Moïse Moudamoums. Amsa va bien voter. Ça n'engage que lui. Mais Azali, ça va bien bas. Docteur Awassu, et il impose le tempo où ce n'est pas là. Tu ne peux pas le suivre sur le terrain. Tu ne peux pas nous suivre sur le terrain. Venga meeting ça. Baba Azali, Aja et Léo est danger. Nous sommes sur le terrain, nous cadrions le terrain. Et nous imprimons, notre campagne est en train d'imprimer avec des thèses. Zahouana na Maïchahal. Zahouana na Igabeji de l'État. Zahouana na Mlaotama Wensi. Zahouregezaï Amani ne confie. Yaraoregezam Dikawa Mojana Ouvenzana Zupia. Condition sine qua non. Zao crée une condition, je le fais qu'il y ait des moyens de notion, mais ici, Zao crée une condition psychologique, politique, sociale, socio-gézao, je le fais qu'il y ait des moyens de notion. Tambouza, tout le monde, nazo moja moja, tambouza magie, mwenge, l'hôpitalim, somo, tama, tambouza, 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 parce que kwa wana nazo balu bigi na zangina mana wa uja banu assise 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 hata umalze mandahanda assise 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 ula babu jo ibi vote u ibi vote u ibi vote u ibi vote u ibi vote ta kwa jo te mande hali ya vira si wa uja banu qu'est-ce que tu viens faire lisu ala diso abani bojo amse ibi angamita. Parce que Seydi Adalamba, il est sur un terrain glissant. Ou on doit comment entendre de pied ferme. On lui a fait ça, la leçon de la chose. Donc, à tout manazali, attention, il y a un danger. Majeur, il y a un mouali, il y a un foumouni, il y a un. Les Comoriens ont compris que c'est les mêmes têtes, les mêmes personnes. Ma photo, il y a un soir, la même photo pour faire foule. Ça n'opère pas, ça ne marche pas. J'ai reçu des analyses, des témoignages des gens de Moroni, d'Anjouan qui me disent que la CRC est prise de panique parce qu'elle se rend compte que la supercherie qu'elle a voulu mettre en place pour tromper les gens, dire qu'ils ont beaucoup de monde, que les gens, ils ont. Ça ne marche pas. Et surtout parce qu'on a commencé, nous, à parler de ce qu'on appelle en bon français campagne hors sol, campagne dans une bulle. Azali Katrakara Rose Mozo, il mène une campagne dans une bulle, campagne hors sol. Azali Kassiwana Wantwe, ça veut dire quoi? Une campagne à Chouchabi, à Chounafiki, le Renoir, le Renoir, le Renoir, le Renoir, le Renoir, le Rahamina mbanzulu yonjeu, rahamina mbanjeu yonzilu. Yani, kampanyi orsol, on n'est pas hama ikweli ya kumori. Rijidwana. Wabole o timono mirwadi. Timono mirwadi, ajafuwa la jeunesse mirwadi. Arata afanye terre, caravan, akati za usi. Wani koki ar dans le même temps ar miroadi akana jeunesse yakati zangu fumbono ari yangu c'est miroadi je te connais tu es là miroadi je te connais tu es là ramuza mazai kili même bien avant miroadi kushindri ta l'affaire tu es un brigand et là tu as su avoir toujours wani soit sur vunza mono ou sur vunza mono mais ta la mitereyo miroadi est-ce que miroadi c'est là bas.
Huawei Rosus 2019, non 2016. Est-ce que mi wadou sala ma Huawei me soutenir Mamadou? Est-ce que mi wadou sala ma me soutenir Mamadou? Est-ce que mi wadou aussi là là amba Huawei o connaître que mazama ya wa mama waje wa yaji wa yenzo wa wa ifanya full wa nyasari Mamadou ana mzenge na mvu mi wadou. Sois honnête. Là, on est ensemble devant les Comoriens là. Avoue-le. En bas, même sur le téléphone, toi-même, il va dire tu vas droit à l'échec. Et que le petit jeu auquel tu joues, ça ne te réussira pas. On doit dire, maman, je vais y aller, je vais avoir un meeting. Il va dire, on te connaît, on connaît ton petit jeu. On sait juste que tu es un brigand. Et tu as coulé l'une des sociétés d'État stratégique. Au Nicor. Miroadi. Kawasi je ne simtsaho azali. Azala na ma kumina saba, il avait tout le temps et on préparait quelque chose pour la jeunesse comorienne, il ne l'a pas fait. Azala bit ma kumina saba, ma kumu ya wazabwe opposition. Pour réfléchir à la manière de sauver la jeunesse comorienne, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas su réfléchir. Au miroir dit, Kawasi Genesi, Yash Komorin Taho Azali. Voilà Kawasi Genesi Taho Azali. Ou tu as regardé Wabin Zengo, ou regardé Wabin Zengo, Wabin Kawasi Genesi Taho Azali. Quel jeune au Comor, à part un voyou comme toi, qui peut faire confiance à quelqu'un qui a eu 17 ans de pouvoir, à la cache n'a fait rien à la jeunesse. Quelqu'un qui a passé plus de 10 ans dans l'opposition, à la cache n'a posé analyse et a sauvé jeunesse. Miroi dit, le terrain c'est à vous. Son Aroulawan, Aroulaho. J'ai eu des informations venant de là-bas, des régions où tu es passé aujourd'hui. Yani tu es un petit escargot. Nekamba Azali, c'est un grand escargot. Toi, tu es un petit escargot à l'échelle Yanzouan, qui ne traîne pas beaucoup d'eux. Nous sommes sur le terrain bien avant vous. Et justement, nous avons investi ce terrain-là bien avant vous. Et pourquoi on investit ce terrain bien avant vous? Parce que nous, on respecte les Comoriens. Nous sommes allés parler à cette jeunesse dans leur quartier, dans leur village, dans leur région. Et c'est un exercice auquel nous sommes rompus. Et justement, là où nous passons, on nous a dit que la CRC est absente. Mais bien sûr, la CRC ne peut pas faire du terrain. Bon, Miroadi, wao dziamba ndo dziwa nyawe. Bon, tu sauver auto dziswa. Odo mwenye wonikor, waize nsohole, warota shirikala nsohole. Mwenye se mratrape situation en pressurant la population. Ça, on va te le dire, ça, on te connaît, Miroadi. Le terrain, c'est pas toi. Okomor kwezi, Azali, a paniqué, a raté à investir ce terrain. Là, ça, Azali, Koubalamba, on a 45 000 adhérents. Nasramblamba, on doit obliger Mazimi, on doit signer. Wahara wa salara. Azali n'est qu'au Koubali. Amba, on a vague bleue. Pourquoi tu viens sur le terrain? Le terrain, c'est pas toi. Tu n'as rien à dire sur le terrain, Azali. Miroi dit, on va te dire. L'ansoli a l'insijouan à cause de toi. Ou roto shirkalo, et regas marqué, moi, financé et politique, Azali. L'irotoa. Kamakana alternative 4, c'est moi, je suis allé Comore, moi pressuré. Et c'est ce qu'on va te dire, Miroadi. Comptez sur moi. C'est ce qu'on va te dire. On va te rappeler cette réalité. On va te balancer cette réalité où que tu passes. Mais j'ai peur que tu aies un petit escargot avec des petits œufs qui va aussi jouer à l'évitement. Qui va mener une campagne hors sol basée sur l'évitement. L'évitement des jeunes, l'évitement de la population.
Et tu vas encore te cantonner dans une petite scène. C'est tout. Banyamu sizia mambelamba ushinzi unanawas. Par contre, il y a un danger qui nous guette. Miloadina azali ho. Ils veulent semer le pessimisme. Ouais, Samba, les jeux sont faits. Ils n'ont rien à. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Qu'est-ce qu'Azali va dire aux gens? Si ce n'est que d'induire par certains actes, ah ben les jeux sont faits et que cette élection est pliée. Eh bien, cette élection n'est pas pliée. Cette élection est à portée de main. Et vous l'avez démontré. Parce que vous avez refusé d'écouter Azali. Vous avez refusé de l'accompagner dans ces discours. Moulichi ma fonctionnaire Walu. Et notre travail dans les jours qui viennent, c'est de leur dire, prenez votre courage à deux mains, désobéissez. Namazefouya service en jamboyen, toi babo, harmonia zashi, clientèle ici. Eh bien, nous, notre ennemi, c'est pas notre adversaire, celui qui nous fait peur, c'est pas Azali. On sait que cette fois-ci, c'est toi. Mais à une seule condition, qu'on reste mobilisé massivement. Et Azali n'a pas choisi. Par leurs discours, par leurs agissements, ils travaillent à démoraliser les gens pour que les gens n'aillent pas voter. Et quand les gens ne vont pas aller voter, ils vont mobiliser les petits guignols qu'ils ont. On doit voter. On va parler marge. On va s'est arrondi Azali 10%. Donc, les gens là, il ne faut pas donner l'occasion à Azali n'a pas choisi. Voici pas à 40%. Si les Kakamana m'ont voté massivement contre Azali, vous allez lui donner cette possibilité. Ajar on fait jeu égal, voici la para. Par contre, si vous allez voter massivement contre Azali, vous allez l'inonder de votes de rejet au point qu'il ne respirera plus. Donc, notre grand ennemi, c'est la démobilisation. Notre grand ennemi, c'est ceux qui appellent au non aux élections. Il faut un vote massif, déterminé. Un vote massif, tellement massif que Azali va étouffer. Tellement massif que Azali, il ne saura rien faire. N'est qu'à moins de voter vous lui donnez la possibilité de passer. Si c'est un vote massif et franc, ça va étouffer Azali et il ne pourra rien dire. Wakomor kwaheri, ushinzu na nawas, tsmaïsa ninzia, narkabili renfu.